très heureuse de pouvoir revenir sur ce magnifique parcours que j'affectionne spécialement. Et donc, j'ai hâte que ça commence jeudi et voilà, de bien en profiter. On a une énorme chance, les cinq Françaises qu'on est sur le tournoi, de pouvoir jouer un majeur en France. Et c'est vraiment un plaisir à en profiter un maximum. Donc c'est vraiment une pression positive, comme j'allais dire. Ça va mettre un peu plus d'adrénaline. Donc du coup, ça va en général faire des meilleurs coups. J'ai des très bonnes sensations sur ce parcours. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et comme j'ai dit, il est en superbe condition. Et je me sens vraiment prête à profiter un maximum. Après un bon résultat à l'US Open par exemple, j'ai refait après un top 10 sur le LPGA, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Le parcours est magnifique. Espérons que, disons, les greens soient un peu plus rapides, mais bon, ils ne peuvent pas trop les faire trop rapides parce, étant donné qu'il y a beaucoup de pentes sur les greens, donc c'est dur de rendre des greens très rapides. Mais par contre, le parcours est magnifique. Les gens de l'entretien ont fait un boulot énorme parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu beaucoup de pluie les 10 derniers jours. Donc là, on a de la chance d'avoir un parcours où on n'a presque pas les pieds mouillés. Donc c'est quand même un énorme boulot qui s'est fait en 10 jours, quoi. C'est super de toujours pouvoir revenir en France pour jouer devant le public français et puis encore plus sur ce parcours qui est là dans des conditions assez incroyables. Donc c'est vraiment super d'être là. Au niveau de la bulle sanitaire, c'est un peu plus difficile, surtout que ma famille est là et tout ça, et je peux même pas les voir. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais bon, je suis quand même contente d'être en France.